Eh bien, écoutez, parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de se constituer en grands ensembles. Et mon plus grand regret, c'est que déjà, on n'arrive pas à constituer une unité régionale. On a toujours nos problèmes avec ceci ne va pas, ceci, il faut faire ça. Et on ne réfléchit pas assez pour faire face aux grands défis de la mondialisation, c'est de se constituer en grands ensembles. La Méditerranée a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des racines communes qu'on retrouve dans nos législations, qu'on retrouve dans notre mode de pensée, dans notre façon de fonctionner, même dans nos politiques, on retrouve les relents de ces racines communes. Pourquoi ne pas les réactiver? Pourquoi ne pas capitaliser toutes ces diversités pour en faire quelque chose de commun, de vraiment vitalisé et interactif? Mais pour cela, il est impératif de faire participer les peuples. Si ça ne fait, il n'y a pas une appropriation par tous les segments de la société de part et d'autre, il n'y aura pas une réelle création d'une identité réellement méditerranéenne. Bien écoutez, moi je pense que dans toute situation, chaque pays a le droit de se protéger et il a même le devoir de se protéger. Et c'est normal qu'on ait recours parfois, malheureusement, à la force légale. Encore faut-il que pour utiliser cette force légale, il y ait des garde-fous. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Même si, est-ce qu'on respecte la loi? Est-ce qu'on respecte les droits de l'homme qu'on est en train, pour lesquels on est en train de donner des leçons aux autres pays? Est-ce qu'ils sont vraiment respectés dans ces démarches? Chacun est renvoyé en miroir devant sa propre conscience. Et quand il a des actes comme cela qui transgressent les règles élémentaires, les lois élémentaires, sur lesquelles les conventions élémentaires qu'ils ont eux-mêmes édictées, eh bien écoutez, on se pose la question et évidemment on va plus loin, on dit oui c'est du racisme, oui c'est de l'ostracisme, oui c'est de la ségrégation. L'Union africaine a aujourd'hui constitué elle a engagé une véritable stratégie conjointe avec l'Union européenne. Et donc la Méditerranée a une très belle part. Et bien à charge pour nous, les pays de la Méditerranée, c'est l'occasion de confirmer notre identité méditerranéenne, aussi bien du côté de l'Afrique que du côté de l'Europe. C'est les sociétés, c'est la communauté de la connaissance et du savoir, de tous les savoirs, la potentialisation de tous ces savoirs qui vont constituer notre fond commun et qui vont donner notre originalité et notre valeur ajoutée en tant que méditerranéen à la construction de ces grands ensembles. Merci bien. C'est moi.